Bonjour, je vais parler du prince Harry, le duc de Sussex. Je fais cette vidéo suite à la vidéo que j'ai postée sur la chaîne principale, vidéo dans laquelle je parlais du nouveau clip qui vient de sortir mettant en scène le prince Harry dans une boutique de tatouage, si on peut appeler ça comme ça, un tattoo shop. Et c'était alors qu'il était à New York, donc ce moment où le prince Harry s'est rendu à New York pour assister à des conférences. Vers la fin de son séjour, il est rentré dans une boutique de tatou, un magasin de tatouage. Ça avait fait la une des journaux. Tout le monde pensait qu'il s'était fait tatouer. Les gens avaient pris ça pour dire que oui, le prince Harry veut devenir un bad boy. Ça veut dire que voilà, sa vie déraille, que ça ne va plus avec Meghan Markle. Hein. Tout ça tiré d'une photo du prince Harry rentrant dans une boutique de tatouage. Photo prise par les paparazzi. Donc, ils ont vraiment fait des dissertations dessus dans les médias anglais, repris ensuite par les Français, les Australiens autour du monde. Le prince Harry se fait un tatouage. Si les gens avaient trouvé ça cool qu'il se fasse un tatouage, le reste de la presse était médusé. Comment se fait-il le pauvre? On a peur pour lui. Est-ce que ça va bien, Harry? Est-ce que Meghan Markle te pousse à faire ça? Il faut que tu reviennes, Harry, tu retrouves la raison. Pour ce qu'on se rend compte quelques mois plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, à travers cette vidéo, qu'en fait, non, c'est un spoof pour les Jeux Invictus. C'est pour la promotion des Jeux Invictus qui auront lieu en février prochain. Oui, c'est dans 4 mois, il me semble, hein, février prochain, à Whistler et Vancouver, au Canada. Donc c'est pour ça qu'il s'est prêté à ce jeu-là, pour faire rigoler le monde, hein, pour que la visibilité soit donnée aux Jeux Invictus. En tout cas, moi j'ai aimé, j'ai adoré. Je suis sûre que les critiques de Harry vont encore s'en donner à cœur joie, mais on s'en fiche complètement. On sait que le prince Harry fait ça pour la bonne cause. Et c'est vraiment, il est très marrant dans cette vidéo-là. C'est dommage que ce soit un anglais qui n'est pas un français. Donc j'ai trouvé ça très bien. Et c'est pour vous dire ici que il faut faire attention à ce qui est écrit dans les journaux. Donc, je suis sûre que les journaux vont se sentir bien bêtes, mais ils vont essayer de tourner ça pour dire que ben, Harry, il est fait le clown et tout ça, comme d'habitude. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça sera toujours comme ça, toujours ton nom est négatif. Mais le plus important, c'est que le message soit passé, les Invictus auront lieu, c'est pour les vétérans. Et voilà, il faut rendre service et on est tous prêts à le faire. En tout cas, le prince Harry était marrant dans cette vidéo, j'ai adoré. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.